Ils viennent de Reggio de Calabre, membre de l'Andrangheta, de Palerme en Sicile, terre de Cosa Nostra, de Naples, capitale de la Camorra. Ils se sentent un peu à l'étroit en Italie et doivent conquérir de nouveaux territoires. Depuis 35 ans, de grandes figures de la mafia ont trouvé refuge et prospéré dans cette belle région qui ressemble tant à l'Italie. Plusieurs générations de mafieux présumés qui ont défrayé la chronique et fait tourner en bourrique enquêteurs français et italiens.